Et coucou! Re tout le monde de ce qui était là ce matin et bonjour aux autres! On s'entend? Attendez, je sais même pas si j'ai tout changé. On s'entend bien sûr, c'est très français. Hop, ça c'est bon. Oui, en toute logique! Non, les commandes fonctionnaient pas parce que le. C'était pas encore activé. La musique de fond. C'est des bulles. Hein. Ah, merci Zizi. Au revoir, messieurs, dames. Rebonjour. Et coucou, Tony. Assise dans son fauteuil. Ouais. Elle est assise dans son fauteuil, Cassia. Quand vous sortez, choisissez votre Sam. Oui, bien mangé. Merci. Eh bien, ça fait toujours plaisir de revoir vos têtes. Coucou à ceux qui étaient pas là ce matin, et heureux aux autres, du coup. On inverse un petit peu. Bon, bah j'étais en train de terminer... C'est vrai que c'est un peu tardif, là. J'étais en train de terminer l'extérieur de la maison précédente. En toute logique, ça devrait être bon. Et c'est pas très long à filmer comme visite, donc j'espère pouvoir faire ça, enregistrer ça demain, en tout cas. On verra. Mais bon, c'est quasiment fait. Si j'ai pas à rajouter 2-3 petits trucs. Ça, c'est fait. C'est chouette. Je suis contente. Et puis, j'ai un petit peu traîné chez Lil Simzy aussi. Qui fait live parce qu'elle vient de passer les 1 million sur sa chaîne YouTube. Toujours une tisane. Non. Là, j'ai des bulles. À la grenadine. Plus ou moins. Et de l'eau. Voilà. Toi aussi, c'est dingue. De quoi donc? Ah, sweet, peut-être. À 7h, j'étais réveillée, mais j'avais pas envie de me lever. Ce qui est compréhensible, quand même. Je comprenais rien, mais je fais acte de présence. Ah, t'étais chez Simzy aussi? Non. C'est vrai? Alors, on va charger la partie, peut-être. C'est... ici que je construisais. T'étais chez Simzy. C'était trop bien, vas-y. Et la claque que je me suis prise en me rendant compte... Non, parce que régulièrement, je me fais rire tout seul à me dire il y a quelques youtubeurs français, quelques youtubeuses françaises même, qui ont commencé plus ou moins en même temps que moi, mais qui ont complètement décollé. Et là, je me suis prise une claque parce que Simzy, qui est une des plus grosses youtubeuses et streameuses américaines connues, pour les Sims, elle a démarré en même temps que moi. J'étais choquée quand j'ai vu les dates. Oh la vache, il y en a qui arrivent. Hein. Oh là là. Ouais. Ah, t'as pas vu les dates? Alors que tu comprennes pas l'anglais, ouais, mais à un moment il y avait des... Je sais pas si t'as regardé en fait la vidéo que ses amis lui ont fait en résumé à sa vie youtubesque. Il y avait des dates. Il y avait les années et tout. Mais ouais, elle a commencé, elle avait genre... ouais, 16 ans. 15-16 ans. Oh là là. C'est drôle de voir son évolution, mais t'as vu? Je me suis pris une claque l'autre fois aussi en revoyant... parce que je cherchais du coup des infos sur de jeux. Et j'ai dû ressortir le premier sans bébé. Oh là là. Et le Random Legacy, mais il y a très longtemps. Les premières vidéos, elles font mal, hein, parce que le micro, c'était pas ça du tout. Mais alors, elle, ça a l'air d'avoir duré un moment, quand même. C'est rare qu'un youtubeur Sims arrive aux 1 million d'abonnés. Ah bah, t'en as au moins 3. Dans la grosse communauté des plus connus, t'en as quelques-uns, si. Si, si. Ça nous rajeunit pas. Ah non, mais c'était trop drôle. En fait, je faisais autre chose à ce moment-là, mais quand elle a commencé son stream, j'ai loupé le passage au 1 million. Ça, c'est dommage. Mais je suis arrivée après, et effectivement, elle a mis en route une vidéo résumée de son parcours par ses potes. C'était très, très drôle. Oh là là. Eh, franchement, c'est beau. Hein. C'est beau, c'est beau. Ouais, ah, c'est 16 ans elle a commencé. Je crois qu'elle en a 21, ça fait 5 ans. En novembre, ça fera 5 ans pour moi, donc c'est ça.
Ah, franchement, bravo à elle, c'est clair. Attends, mais la conclusion en plus, c'est magnifique parce que t'as toute son évolution et à la fin de la vidéo qu'ils lui ont faite, ils ont pris le petit bout du passage où elle réagit au trailer de Escapade enneigée, les trois petites secondes où elle montre qu'elle a collaboré pour faire le pack. Je veux dire, quel succès dans ta vie de youtubeuse Sims que de participer à... Enfin, tu vois, c'est dingue. Je la pensais plus vieille. Ah non, non, elle est toute jeune. Alexandre. Ah, franchement, bah, c'est même pas juste le clin d'œil, c'est l'accomplissement personnel, quoi. T'imagines ? En plus, au tout début des Sims 4, elle racontait qu'elle pouvait même pas y jouer. Parce que à ce moment-là, elle avait qu'un Mac, et c'était pas encore sorti sur Mac. Elle a dû attendre 4-5 mois avant que ça sorte. Et regarde où elle en est. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Enfin, je vais récupérer donc la maison, on récupère cette scène également, alors on enlève les 100 bébés peut-être, enfin les 73 en l'occurrence. On était où là? Oh, pense à ton rec, merci. J'allais oublier, c'est clair et net, j'allais oublier. Hop. Hop. Alors. Ah. Hop, voilà. La communauté est plus grande chez les anglophones. Ah bah carrément, oui. Ça, c'est sûr, déjà, de base. Oui, oui, oui. Dix minutes de téléphone pour faire comprendre à mon papy que sa ligne internet bug. Ah, c'est ballot, ça. Alors. Donc. Ouf, oh là là, cette maison. Oh là là, salut Cupide. Donc aujourd'hui, on va faire le couloir et cette pièce qui est censée être un garage, hein, un faux garage évidemment. Et on va au moins commencer, si ce n'est finir l'étage, on espère être un petit peu plus rapide. Donc voilà ce qu'on a fait la dernière fois. Je rappelle que le but de cette maison est qu'elle soit délabrée, complètement laissée à l'abandon, limite squattée. Pour Halloween. Donc voilà où on en était. Et après, on la reprendra et on la fera bien jolie. C'est le bourdel, c'est ça. Ça fait depuis 10h30 que j'attends pour me faire opérer. Opérer de quoi? Ça fait un bout que t'attends, ouais. C'est grave? Le jeu se démocratise en France? Mais il est là depuis... Enfin, il n'y a pas de souci avec le jeu, c'est juste qu'on est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins nombreux en France que tous les anglophones du monde. Mais non, non, la France connaît bien les Sims. Alors... Ah, ça, on peut le mettre dans le pseudo-garage. Je me demandais où j'allais le caser, ce machin. Je sais pas du tout ce que je... Ouais, c'est bizarre, mais ça fait du bordel, c'est bien. Ah, y'aime l'autre, Juju. Coucou, Angou. Toujours aussi classe, t'as vu? Eh, franchement. Moi, je dis, c'est top VIP. Hein. Alors, couloir. On avait tout juste commencé l'entrée, enfin, ce côté-là. Donc, on va peut-être mettre... Est-ce qu'on met un tapis miteux? Est-ce qu'on a ce genre de tapis en dehors de celui-ci et ceux-là, là? Pour quelqu'un qui sort de sa zone de confort, tu t'en sors, mais super bien. Merci. Non, c'est... Ouais. C'est juste...
que d'habitude je prends pas le temps de faire ce genre de truc. Mais c'est vrai que c'est kiffant. Finalement. Finalement, c'est kiffant. Long, 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 long. Il y a ça aussi, mais ça on l'a déjà utilisé. Puis pas terrible. Et pas terrible. Je pense qu'on va prendre. Où est-ce qu'il est ? Il fait pas délabré, ça c'est dommage. C'est dommage. Ou alors on va juste prendre ça, écoute. Heure de gloire, heure de gloire, heure de gloire, heure de gloire. Est-ce que c'est... Ah ! Mais c'est celui que j'étais en train de regarder. Ouais, mais je l'ai déjà mis dans la cuisine, en fait. Il n'y a pas 36 coloris délabrés, je trouve. Il y a ça, mais est-ce que ça colle vraiment ? C'est très très rouge. Vous y voyez ? Pas trop. Qu'est-ce qu'il y a de délabré ? Il y a ça. À la limite. On va voir comment ça rend à l'intérieur. Non, je sais pas où je vais le mettre, en fait, mais... Oh, on dirait qu'il y a eu un meurtre. Merde, il fait tout petit, là. Il est soit trop grand, soit trop petit. C'est con-con, hein. Alors, on le met là. Oh. Eh, franchement, on dirait, non? Un bisou, Lélé. Hier, c'était moi. Aujourd'hui, toi. Chacune son tour. J'ai rien suivi. Ça y est. Ça fait 14 minutes que le live y tourne. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien et toi? Ceci explique les corps dans la cave. Exactement. Ouais. Allez. Aurélie est passée par là. C'est exactement ça. Ouais, 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 ouais. Ok. Je pense que là, on va mettre ce genre de choses, voyez-vous. Et puis... Qu'est-ce que c'est ça? Ok, tas de ferraille. Très bien. Hop. Oh, il y a ça aussi. Alors, on va mettre plutôt celui-là ici. Voilà. Et on va en prendre un verre. Est-ce que ça flotte? Non. Mais c'est parfait. Super. Super. C'est dommage qu'on ait pas des penderies déchirées. Enfin, des tapisseries plutôt déchirées. Des penderies. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que genre, on a... where is it? Là... Je pense. Ça me saoule déjà de scroller. Alors attendez. Il est où? Là. On a ce truc. On a ce truc, mais on l'a déjà utilisé un peu 15 fois. Y a des trucs un peu... Vous voyez? Il y a des trous et tout. C'est sympa. Mais on n'en a pas d'autres. Comme ça. On a soit ce machin-là. Soit ce machin-là. Et c'est pas troué, quoi. Donc c'est dommage. On a ça aussi. Mais alors ça, idem, c'est pas troué. Alors après, on peut se dire que c'est les squatteurs qui ont mis leur emblème un peu. Genre c'est devenu chez eux. Quelle entrée accueillante et chaleureuse. Je suis perdue. Wouhou.
Dans un Random Legacy, on n'a pas le droit de déménager ou changer les traits de terrain. Alors, déménager, non. Parce que c'est, ça fait partie d'un lancer de dés aléatoire. S'il y a une génération, tu lances. C'est dans la catégorie E ou F qui te disent de déménager. Du coup, ben, si tu tires pas ça, tu ne peux pas déménager. Les traits de terrain, par contre, il me semble pas qu'il y ait de contraintes dessus. Je suis plus sûre. Coucou Sushi, merci. Et coucou Kida. Bah c'est un peu trop propre, mais je me dis justement si c'est des squatteurs d'aujourd'hui, forcément c'est pas délabré, tu vois. Je sais pas quoi mettre d'autre, ça me saoule. Parce que bon, les fissures ça va bien un moment, mais remplir tout un mur avec des fissures... Ça pareil, dommage qu'on ait pas des toiles trouées et dégueulasses. Vous savez, genre... avant de partir, ils ont descendu leurs œuvres d'art et puis finalement elles sont restées au sol. Personne ne les a emmenées. Il y a ça aussi, ça c'est pareil, mais on n'en a pas des trouées. Vous voyez ce que je veux dire? C'est relou. Alors attends, le lierre l'autre fois ça m'avait pas plu sur l'autre mur. On va voir si sur celui-là ça passe. Ah, il y a ça aussi. Oh, tapisserie de vampire. Oh là là. Attendez, j'ai lu plusieurs trucs. Des posters ou... dans le couloir. En fait, le truc, c'est d'arriver... Enfin... Faut que ce soit un mélange entre les meubles d'origine qui ont très mal vécu, qui ont très mal pris de l'âge, et éventuellement des trucs que les squatteurs mettent, c'est-à-dire comme la boîte de pizza ou les sacs poubelles, tout ça. Des posters dans le couloir... pas sûr. Alors, le lierre, il est là. Vous savez à quoi ça me fait penser? À Jumanji. Si on l'a mis, attends, Tony, on l'a mis dans le salon, je... Oui, oui, on l'a mis là. Coucou Jordan. De journaux. Non, je trouve pas ça cohérent. Ils sont assez propres quand même. Ils sont un peu troués par-ci par-là, mais ils sont assez propres. Ça colle pas bien au mur en fait. Hein. J'avais jamais remarqué. Ça fait un peu mousse, c'est vrai. Ça fait un peu moisissure. Ça fait très Jumanji. Un tableau écrit à la craie. Ça, j'aime pas la recherche, c'est terrible. Tableau. Puisqu'il y en a plusieurs en plus, donc... je suis pas sûre. Non, celui-là, il est propre. Il est propre. Bon, il fait un peu vieillot, mais il est propre.
Ah, celui-là, la limite. Celui-là, il est effacé. Bon, je sais pas trop ce que ça fout dans le couloir, mais... celui-là, il est effacé. Bon, alors, pas les autres, par contre. C'est vraiment celui-là. Genre, les squatteurs, ils ont fait des jeux. Sinon, il y a ça, mais celui-là est propre. C'est ça, Auré. Je m'endors comme une patate. Oh, Kim. Salut. Et du coup, bah, si tu vas t'endormir comme une patate, bonne sieste. Bonne sieste à toi. Un tableau de récompense ou rappel d'activité pour les gamins avant qu'ils disparaissent. De récompense. Ah, ça ! Je suis en train de chercher un autre objet. Qu'est-ce que c'est que ça ? Conduit mural suspect. Oh la vache, c'est énorme. Pring. Hola Bakyung. Je suis pas sûre de la fin. Merci pour ton follow. Oh bordel. J'utilise jamais ce truc. Qu'est-ce que c'est ça? Oh là, d'accord. C'est quand que je l'ai sorti? C'était ce matin ou c'était hier? Bienvenue pour ton follow. Spécial casse dédié, Angie. Merci, bienvenue pour ton follow. Pour être suspect, c'est suspect. Le petit KGB qui a ça sur le mur et ça ailleurs passe inaperçu easy. C'est ça. C'est hier. Merci, bienvenue pour ton follow. Oh. Bon, allez, c'est bon, là, ça m'a saoulé, ce truc. Ouais, bah écoutez, est-ce que celle-là, elle vous convienne? Ah, j'ai peur que ça bloque la porte, en fait, là. Hop. Ouais, Tony, tu feras des bisous à Angie, hein. Les crottes, oh là là, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vous me faites pas faire quand même? Tu vas pas te tourner, toi. Ah, la plante vache. J'avais même pas fait gaffe qu'on la voyait quand je l'ai tournée. Il y a ces gros trucs à mettre aussi, là. Attendez, ils sont vachement gros, ouais. Oh.
incroyable. Non, ça ne va pas. Ça rend bien en fait. Bravo. Bravo. C'est qui a dit bravo? Ah. Moi je répète comme une débile. Sans me poser plus de questions. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais. Coucou Aïsnalis. Splendide. Bah du coup j'ai ta commande en tête, Tony. Le plus beau des dépotoirs. Oui. On n'y voit rien du tout là. Attendez, si, on y voit un peu. C'est peut-être mieux comme ça. Bien, le jeu des figures, on dirait qu'il suffit de mettre une patate dans le mur pour qu'il tombe. Le jeu des figures. Hein ? L'ho pas compris, là ? Oh, putain, mais oui, j'ai lu figure. C'est à cause d'Alexandre qui parle du visage du salon juste avant. Oh là là, écoutez, j'ai des longues journées. Je dois entertain toute la journée. Jugez pas. Jugez pas. Bravo. Paris Simmer, bonjour. Dans 4 heures? Ah bah non. Ah ça va être compliqué là, Isnalis. Hein. Ça me rassure. Ça me rassure, ma femme n'est pas la seule. Mais pas du tout. Mais tellement pas. Ouh là là. C'est compliqué, hein. Celui-là, il est cassé. Celui-là, il est cassé. Il est très joli, mais il est très cassé. C'est cassé. Assis dans son fauteuil. Mais qu'est-ce que... Ah, y a des trucs bizarres, quand même. Quand vous sortez, choisissez votre Sam. Sweet, sweet. Sweet, sweet. Bah merci pour ton follow, monsieur Paris Simmer. Paris Simmer, il y a un S. Paris Simmer. Paris Simmer. Vas-y, répète-le encore une fois. Lololo, lololo. Oh, j'ai cru que la musique ne revenait pas. En fait, si. On a une table dégueu. Attendez. Pring. Merci aussi. Cette construction a seulement pour but d'être délabrée, c'est ça? Ça va pas aller dans le surnaturel avec chaudron ou autre. À voir. À voir, à voir. Parce que dans le surnaturel... Ouais, non, j'allais dire surnaturel, on a des squelettes, mais en vrai, ça existe. Oh là là. Ouais, non, c'est une possibilité.
Est-ce une possibilidad? Oh là là. Montre les trous. Voilà, magnifique. Parfait. Est-ce qu'en noir, t'as autant de trous? Ah, bien. It's fort sympathique. Et on pourrait peut-être mettre, du coup... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bah rien. On va mettre un sac plastique. Poubelle. Axel, bonjour. Une maison abandonnée mais habitable qu'elle rénoverait par la suite. Exactement. Rares sont les gens à avoir des squelettes dans leur cave. Certes, mais c'est pas surnaturel non plus. Ça reste assez bon, voilà. Les squelettes, un mythe. Auré. Oh. Oh. On voit pas bien les appartements, c'est dommage. Voilà, Simlissi a partagé un appartement pour Halloween. C'est bien. Alors, je voulais juste... Est-ce qu'on peut rajouter... Ah bah voilà, ça c'est bien ça. Perfect. Couloir managed. Yeah. Voilà, ça c'est fait. Il reste l'espèce de pseudo-garage descendant vers la cave, voyez-vous. Les grands rectangles au nord à l'extérieur de la maison. C'est des trucs que j'ai sortis du debug parce que je suis tombée dessus. Je me suis dit, ah, c'est trop bien pour faire un faux potager et tout. Et voilà, je les ai sortis. Je sais pas si je les utiliserai. Voilà. Oui, oui, c'est... ils sont forcément partagés comme des pièces puisqu'on n'a pas de catégorie appartement, ouais. Le mur intérieur de la porte du garage. Si, tout à fait. Enfin, après, ouais. Je sais pas si... Enfin, avec les Sims, vu qu'on n'a pas de voiture et que du coup c'est un peu inutile de faire des garages, généralement on fait des faux garages. C'est-à-dire qu'ils en ont l'apparence à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur on en fait une autre pièce. Mais bon, là je vois pas trop ce que je peux faire d'autre de cette pièce, donc oui. On va reprendre ça, à la limite. Avec les colonnes. Ouais, je l'ai jamais fait à l'intérieur. Alors, ça, on va le mettre par là. Qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Des caisses, déjà. Ça fait ancien garage rénové en pièce à vivre. Bah c'est ce qu'on fait généralement, oui. C'est ce qu'on fait généralement vu que ça nous sert à rien les garages. J'en ai déjà fait des maisons avec des faux garages dehors et à l'intérieur c'était genre une chambre ou quelque chose comme ça. Mais bon là c'est vrai que... À part une pièce débarras, vu qu'il y a l'accès à la cave... Oui, donc on va rester sur un faux garage, mais faux garage vraiment quoi. Toutoutoum... Bonjour Alésia. Ouais, les établis et tout, effectivement, ouais. Bon là, en l'occurrence, vu que de base c'est censé être abandonné, le garage aussi est abandonné. Est-ce que l'établi, il fait assez moche?
À chaque fois, je le loupe celui-là. Mes yeux, ils veulent pas le voir. Là. Ouais, ouais, ça va. Voilà, parfait. Ok. Oh, ça c'est chiant par contre. Alors, plutôt ça. Me revoilà des galères de wifi plus tard. Oh, salut Léopold! Ah, ça y est, il est sorti! Alors écoutez les gens, c'est un des trucs que je voulais vous dire au début du live et j'ai complètement oublié du coup. Mais effectivement, les Sims ont tweeté comme quoi il fallait rester bientôt, enfin qu'on allait bientôt avoir quelque chose. Sauf que, ils ont pas donné de date, donc on s'est tous un peu dit si ça se trouve ça arrive là ce soir. Aujourd'hui. Enfin ce soir, cet après-midi du coup. Donc effectivement, ça doit être ça en fait. Parce que ouais, ils ont tweeté comme quoi ils allaient mettre bientôt en ligne le trailer du gameplay. Mais sans date, sans horaire, sans rien du tout. Donc, est-ce que c'est ça qui est tombé? Alors. Oui, c'est ouvert. Enfin, c'est ouvert. Bon, c'est 2 minutes par contre. Est-ce qu'on se fait une pause? On le regarde ensemble et je fais un montage réaction comme j'ai vu pour le premier trailer ou pas? Est-ce qu'on se fait ça? Alors. Là. Ah. Non, le 30, c'est un live. Le 30, c'est les gourous qui font un live pour montrer ce qu'il y a dans le pack, comme quasiment à chaque pack. Oui, 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 oui. Et là, il y a Linette qui sort de sa cachette. En plus, ça rime. Ah bah moi, ouais, hein, tranquille. Après, ça dépend si vous voulez voir ou pas, si vous voulez garder la surprise. Mais alors par contre, je vérifie quelque chose avant. Bon bah non. Je regardais si j'avais pas... En fait, je me suis fait avoir pour le premier trailer. J'ai pas utilisé une vidéo spéciale pour les Game Changers qui en fait c'est le même trailer mais avec une autre musique comme j'ai déjà fait par le passé. Parce que la musique de base est copyrightée. Donc je me suis fait avoir. Mais là, je l'ai pas, là, celle d'aujourd'hui, donc... C'est Cassie, assise dans son fauteuil. Allez, bon, bah on y va, alors. J'enregistre ça. On va se faire le trailer. Comme ça, je pourrais faire une vidéo juste après. Je la montrerai comme j'ai fait pour le trailer précédent. Et puis après, on reprend la construction. Alors... Ok, donc ça j'ouvre, je mets sur pause, on met sur pause, merci. Alors. Très bien. Je vais passer ça du coup ici. Parfait. C'est Cassie assise dans son fauteuil. Oui. Les imprévus comme ça, j'adore. Communication 0 sur ce pack, ça veut dire. Ça veut dire. Salut. Ils ont spoil avant de lancer le trailer et là ils disent il y a un truc qui sort mais on vous dit pas quand. Ouais mais à la limite ça c'est vraiment suivi quoi. Donc je suis moins choquée. «
Non, 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 en fait, Aaron, ils ont tweeté tout à l'heure comme quoi il allait bientôt y avoir le trailer du gameplay. Mais contrairement à d'habitude, il n'y avait aucune date, aucun horaire. Donc on s'est dit que c'était du coup pour aujourd'hui, mais on ne savait pas. Voilà, alors écoutez. Ok, on se le regarde une fois en entier ou pas? Ou on met pause direct? Parce que là, c'est 2 minutes quand même. Donc il va y avoir pas mal d'infos. Je pense qu'on va mettre pause au fur et à mesure. On va mettre pause au fur et à mesure et puis on va analyser en allant. L'enregistrement tourne toujours, donc je pourrais m'en servir. Parfait. À chaud comme ça. C'est rond. Et jaune. Allez. Oh! We all want to travel. Oh fuck. Alors attendez. Est-ce que vous voulez des sous-titres ou pas? Il n'y a pas... Attendez. Ça doit être des sous-titres approximatifs. Vous voulez les sous-titres? Ça sera plus rapide que ma traduction, hein. Par contre, les sous-titres, ils sont pas très gros. Ah! Oh! Je découvre un monde, là! Taille de la police. Là, c'est bien. Ça se voit bien. Les sous-titres pour YouTube. Ouais, mais ça sera peut-être moins long que si moi, je vous traduis en temps réel. C'est comme vous voulez. Est-ce que ça se... Mais ça se voit que dalle, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais voir. Alors, couleur blanc. Ok. Arrière-plan... Non, mais c'est parce que c'est pause. C'est pas possible. Vous les lisez bien, là? On dirait qu'il y a un voile dessus. Pas géniaux, mais on a vu pire. Bon, bah écoutez. Cadeau. Voilà. We all want to travel, now more so than ever. Places we want to go, people we want to see, and things we want to do. If we're lucky, we call that place home. For me, c'est trop rapide. Mais ils sont tarés. Même dans une vidéo de 2 minutes, c'est aussi rapide, mais qu'est-ce qu'ils nous font? Oh. We all want to travel, now more so than ever. Places we want to go. Eh, franchement, ça c'est beau par contre, hein, ce qu'il y avait avant. Oh là là. Et les détails quand même. C'est un truc de fou. Si vous avez de la chance, cet endroit est là où vous habitez. Ok. Ok. Regardez les chemins quand même. C'est trop beau. Avec le petit pont là au milieu. Alors, on m'a fait la remarque comme quoi, effectivement, et je l'ai vu passer sur Twitter aussi, comme quoi il y avait peut-être un outil bassin. Alors là, j'attends de voir, pour le coup, peut-être qu'ils vont y répondre, parce qu'on s'est déjà fait avoir, hein. Ah bah on pourra faire des lacs, Marine. On s'est déjà fait avoir, il y avait déjà des bandes annonces où il y avait des bassins sur les terrains qui étaient montrés. Et en fait, c'était juste comme d'habitude, hein, une piscine naturelle avec des rochers autour. Donc est-ce que j'espère? Évidemment que j'espère avoir un outil bassin, mais à voir du coup. Prudence. C'est quoi? C'est la nouvelle bande-annonce pour le prochain pack. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que tu racontes, Tony? What? Snowboarding, sled. Wow. Ouais. Oh, comme c'est beau. Ils sont magnifiques, les arbres. Est-ce que c'est pas de la nouvelle herbe? Si. Eliuchu, merci pour ton follow. Le mode lac. Snoopy Girly, coucou. Il est sur sa planète. Si, l'impératrice. Oh, c'était beau, ça. Merci aussi pour le follow. Les montagnes derrière, elles sont magnifiques. Ok. Oh là là. Ah, mais les petites lampes, je les avais pas vues, celles-là. Elles sont trop mignonnes, elles me font penser à celles d'Animal Crossing, mais en plus petit.
Ok, bon, tout ça, c'est des objets qu'on a à peu près vus la première fois. Sauf, regardez toutes les plantes, là. Waouh. Elles sont belles. Oh, des plantes, des plantes, des plantes. So much more to know about my corner of the world. Ok. Wow. Il y a le dinosaure de Oasis Springs, mais en toutes les couleurs. C'est une cheminée, oui. Oui, elle faisait sa sieste, tout à fait. C'est des nouvelles lanternes, ça, celle-là. Hein. C'est pas celle de Visitadine ou je sais pas quoi. Hein. J'ai l'impression. Mais qu'est-ce que c'est que ce bord-là, par contre ? Est-ce que ça va être juste un élément de décor ou... Oh là 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 là, mais... J'ai tellement hâte d'accéder à l'outil construction. Que vous soyez en vacances ou à la recherche d'un nouveau domicile. Oh là 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 là. Reviens. Ouais ouais, donc il y a des nouveaux festivals, hein, tout à fait. Ça, Oh là là, c'est... Bref. C'est beau. Regardez le nouveau lierre. J'espère qu'on y aura accès dans le mode debug, là. Oui, tout à fait. Dans les trailers ou les renders des nouveaux packs, c'est toujours un mélange entre les objets du jeu de base et les objets du nouveau pack, justement. Effectivement. Le Rhino R2-D2. C'est sublime. Nouveau festival, mais oui, 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 oui. Here's rich and steeped in tradition. Par contre, c'est se foutre de nous que de pas rajouter un nouveau meuble à chaussures. On dirait l'existant déjà, hein, ça. C'est se foutre de nous. J'attends de voir. Ils enlèvent leurs chaussures, mais franchement, faire enlever les chaussures, avoir un panneau chaussures interdites, mais ne pas nous donner un nouveau meuble à chaussures, ça, c'est pas ouf. It's in the food we eat and the clothing we wear, creating a culture unlike anywhere else. Oh là là, mais toutes les coiffures. Inspired by the past, mixed with the new. It's even in the way we build. Regardez les nouvelles poubelles recyclées et tout, enfin recyclables, tout ça. Mais il y a tout qui est beau en fait. Regardez les petits arbustes. Ils ont l'air constipés. Me dis pas qu'ils ont mis des nouvelles poubelles, mais pas un meuble à chaussures, ce serait excellent. Attends, combien de fois on a eu des nouveaux chiottes, mais jamais de nouveaux meubles de cuisine ? Inspired by the past, mixed with the now. Oh ! Oh la vache ! Non mais regardez tout ça quoi, c'est... Oh, oh, oh. C'est beau. There's a dedication to... Wow. Là, il y en a un qui s'est fait plaisir à jouer avec les plateformes, hein. Moi je vous le dis. Hein. Je veux en savoir plus sur ces plateformes. Ouais, nouveau toit. Oui, je pense, je trouve aussi, Marine, hein, mais bon, on verra. Hein. Le pouf, mais t'as vu comme il est beau, le pouf. C'est comme le sticker, ce qu'on a, que je vous remontrerai après. Il est trop beau.
dedication to design that offers. Regardez le meuble, la lampe, la plante, l'autre plante, la cheminée et la plateforme. Bon, le siège aussi, mais franchement, le sol aussi, il est beau. Bah si, c'est le trailer du gameplay, c'est écrit là. Wow. Ok. Alors là, il y a des trucs qu'on n'avait pas vus avant, hein. Le lit, les stickers, les posters, le cadre, la table. Les petits rideaux, les... Franchement, alors ça, c'est magnifique, ça. Bon, ça, on va dire qu'on a déjà un mélange de styles qui est déjà présent en jeu, mais le pouf est superbe. Là-haut, on a une autre fresque, là. Là, on a ce machin qui pendouille, plutôt. Ce bidouille qui pendouille. Oh là là. Les porte-manteaux, non mais t'as vu? Le scandale du meuble à chaussures. Eh, franchement, non mais sans déconner. Là, ça craint quand même. Oh là 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 là. Alors déjà, les coloris des poufs sont magnifiques. Là, on a un nouveau placard, je tiens à préciser, d'un carreau. On n'en a qu'un seul, je crois, d'un carreau. Il est trop beau. Les petits meubles, regardez le guéridon, le vaisselier, oh là là. Et puis ouais, les coloris des poufs sont super, quoi. Ah, la table, ouais, elle est géniale. Ouais, on a à peu près vu. Oh là là, mais hey, c'est énorme. Mount Komorebi has them, and I am a fan. People think there's this rivalry between skiers and boarders, but here, that's just not true. Nobody cares how you get down the mountain. Mm-hmm. Sure, it can be intimidating, but with practice comes skill. And before you know it, you'll find yourself with a new lifestyle and time. What? Alors, les styles de vie sont une expression des comportements des Sims et de leurs habitudes avec le temps. Un Sim peut juste aller vers ou contre un style de vie. J'aime pas trop beaucoup ça. En un jour ? Elle est chelou cette phrase. Un peu trop, plus mon caractère. Ok. J'ai eu envie de scroller pour voir ce qu'il y avait en dessous. J'ai hâte d'en savoir plus. And maybe a new home. If you want to be a true local, though, you've got to learn to live with the distractions of life. Keep the... Oh, vous avez vu le gros verre qui est tombé? Ça va être long le 13. Ça va, ça passe vite. Ils avaient parlé des modes de vie et émotions. Oui, oui, oui. Petit coucou, Michael. C'est honteux. Ben, j'ai l'impression, oui, que du coup, tu peux changer de style de vie. Les émotions... Mais c'est pas juste des émotions, ça, Aaron. Les émotions, on les a de base dans le jeu. C'est un système plus poussé.
C'est pas un pack de jeux, c'est un pack d'extensions, celui-là, Miss Ange. Ouh, regardez! C'est beau, ça aussi! Oh! Elle est belle, celle-là. Oh! Non, c'est pas beau, ça! Ça, non, 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 non! C'est des styles de vie, en fait, Sam. C'est... comment dire ? C'est selon comment tu te comportes. Bah, on sait pas vraiment le système que ça va faire, en fait. Mais en gros, c'est... de ce qui s'est expliqué dans le texte de la dernière fois, c'est selon ta façon de te comporter envers les autres et envers ton environnement, ça va te procurer un style de vie. Là, comme ça, sans avoir eu l'outil en main, c'est compliqué, je pense, de t'expliquer. Distractions of life. Keep the selfies to a minimum. Oh, que c'est beau. Les plantes, c'est la vie. Le pull rouge, je crois qu'il était nouveau, oui. Just take it all in. It's a combo. Ah, elle a de ses joues, par contre. And if you truly focus, you can take full control of your emotions. Yay! There's more than one place to find your zen. Hot springs. They're super popular in Mount Komorebi. Ouh. Alors ça, je serais curieuse de savoir si c'est intégré à ce bassin ou si c'est un bassin fait de toutes parts et que ça, c'est juste des nouvelles fontaines. Parce que ça, c'est bien, ça. And hey, who doesn't love a good soak? And you are going to want to visit the onset. Just follow the rules when you do. Bon, après, il y a plein d'objets ici qu'on avait déjà vu dans le trailer précédent. My favorite piece of this beautiful place I call home is the mountain itself. It's where I met the love of my life. Oh. Okay, story time. She was an accomplished climber. I was not. She planned ahead. I did not. Suffice to say, an excursion to the summit of Mount Komorebi is dangerous. Seriously, I might not have made it without her. Who am I kidding? I definitely wouldn't have. Mount Komorebi. It's tradition. It's thrills. It's the perfect escape. Qu'est-ce que c'est beau. Nouveau stand de nourriture. Oui, il y en a régulièrement des nouveaux stands. It's home. Oh là 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 là, reviens, reviens, reviens. Mais ça, c'est ce que j'avais vu au début. Enfin, j'ai fait l'arrêt sur image. Regardez, là, ça va être beau, ça aussi. Ouais, mais on peut venir jusque là, ouais. Il y a un truc ici. Oh là là. Ça va être beau. Non, c'est tout. Ok. Ah si, ça c'est un article, non? Ah, attendez. Coucou Julie. Il y en a pour tout le monde. J'ai plus qu'à déménager là-bas moi-même. Ah, on a plus de stands de bouffe que de plans de travail, hein, ça c'est certain. Enfin, c'est quasi certain. Alors, est-ce qu'il y a un article ou pas? Il y a Simzy qui a tweeté qu'elle est en train de pleurer. Elle a dû découvrir le trailer en live aussi. Oh. Alors, ta-ta-ta... Ah fuck, c'est encore en anglais. Est-ce que je peux le mettre en français? Ah mais non, mais c'est le même article que l'autre fois. Pourquoi ils publient une nouvelle vidéo, mais ils mettent le lien de l'ancien article? C'est débile.
Ok, donc y a rien d'autre. Eh ben, c'est déjà ça, hein. Sublime ce pack, impatiente de m'y plonger du coup, c'est clair. Coucou Cassandra. Auré. C'est pas qu'on n'a pas beaucoup de plans de travail, c'est juste que ceux qu'on a se ressemblent et sont pas super beaux. Non, non, non. Non seulement ils se ressemblent et ils sont pas super beaux, mais non, on en a pas assez. Il y a plus de chiottes que de plans de travail, c'est pas normal. Il y a plus de chiottes que de frigo, il y a plus de chiottes que de gazinières. Non, non, les cuisines, elles sont très peu fournies. Je construis trop pour remarquer qu'on en a pas assez. Ils étaient tellement fiers le jour où ils ont sorti le toilette qui parle avec Vicitadine. Qui nous l'ont montré à chaque live qu'ils ont fait pour nous montrer le pack. Ils en ont fait deux ou trois des lives, à chaque fois il y avait les toilettes qui parlent. Oh là là. Bon, bah écoutez. Voilà. Ça c'est fait. J'ai pas connu ça, Alexandre, ça me dit rien. Non, le chiotte qui parle, mais qui l'utilise, franchement? Non seulement ils nous ont saoulés avec, mais qui l'utilise, quoi? C'est très bien vu, j'ai même pas expliqué en plus. Tant pis. C'est pas grave. Bon, alors. Où est-ce qu'on en était? Ah, ça. Je vais prendre ça parce que c'est très très sombre quand même là. En plein milieu, ça n'a aucun sens. Et puis juste un. Juste un bridou. J'espère que les patinoires de saison se placeront dans le monde automatiquement comme les autres mondes. Ouais, j'imagine. Bah, elles sont pas de partout, hein. Ça dépend de la taille de base du terrain, enfin de l'espace public, hein. Il me semble pas qu'elles atterrissent de partout. Qu'elles apparaissent même, c'est mieux. Oups, t'es parti loin, là. Retournons dans le dépotoir, mais tout en fait, tout en fait. Tant en fin. Oh! Mais... Bon, c'est des trucs publicitaires, donc ça n'a rien à foutre là, mais c'est délabré. C'est délabré! Le cochonou. Bah du coup ça s'est fait. Après je pense qu'il n'y a pas grand chose à mettre ici. Donc là je pense que je vais réutiliser ce truc là. Journaux tout taché, là comme ça. Hop, voilà. Je pense que là on s'en fout. Un peu. Alors on va rajouter les fameuses fissures. Nos copines. Voilà. Coucou Catalina. Ah oui, mince, bah du coup ça rend plus pareil avec les rampes, c'est vrai. Non, c'est vrai que de base, je me suis dit, je vais peut-être pas aller jusqu'au bout, genre il y a un bout de la clôture, enfin de la barrière qui a disparu, mais en fait avec la rampe, ça rend pas bien. Mince. Ah non!
Ouais, tant pis. Donc on la referme. Bon voilà, donc ça c'est fait. Allez, l'étage. Alors, l'étage. Déjà, on va peut-être mettre... Hop, la lumière. Là, c'est des chambres. Qu'est-ce qu'on va mettre comme lampe aux chambres ? Ça fait vieillot, ce style de lampe, non ? Fromage. Oh, l'étage. Des lampes qui éclairent, c'est pas mal, hein ? C'est un concept, disons. Ah mince, elles vont pas bien celles-là. Bon bah là il y aura que ça. C'est pas grave. Alors là j'avais dit que je mettais peut-être des bibliothèques. Est-ce qu'on en a des délabrés ? Là, par contre, c'est pas sûr, hein. Mais... Enfin en vrai, non, on avait dit des bibliothèques, mais pour la version finale. Parce que là franchement... Je pense qu'on n'aura pas. Hein. Oh yeah. Sweet, merci pour ton gift, ton cadeau à Aaron. C'est trop chou. Tiens. Hop. Voilà. Elle peut bouger. Comment ça tu peux bouger? Ah, pas bouger. Ah oui, d'accord. Ouais, sinon, il y a ça. Est-ce qu'on en a des sombres ? Ah, mais j'ai même pas vu. Il y a des briques en dessous. Ça le fait avec les aglos. Les aglos. Coucou Jeanne. J'ai même pas remarqué moi-même que j'ai pas de fée. En noir ou... Ou comme ça. Les briques, t'appelles ça des aglos ? Ah, première fois de ma vie que j'entends ça. D'accord, tu m'as repris un truc. D'accord. Non, j'aime bien comme ça. J'aime bien le style de cette maison, t'as vu un peu ? Hein, on est reparti avec nos super sièges dégueux, là. Ouais, magnifique. Cette musique m'énerve. Je sais pas pourquoi. Bon là on a rien de particulièrement... Il y a ça.
Et on pourra peut-être pas se mettre devant le fauteuil par contre. Ouais, on va le tourner. Ouais, c'est mieux. Oh, c'est dur de meubler tout délabré. Oh là là. Le live est là depuis combien de temps? 1h15. On a fait une pause pour regarder le trailer. Vous venez de quelle région pour appeler ça des aglos? Ah, faut demander à Alexandre. Moi, je connaissais pas du tout. Noir pâle, c'est gris. Sub en retard, j'étais partie au goûter avec les enfants. Oh, ils vont bien? Le vaisselier de vampire avec la tête de mort. Alors, je vais voir ça. Oh, ça m'a offert un abonnement à Tony. Sub. Oh, il y a un sub d'Enji qui s'est glissé dans le tas. Oh putain, il y a ça aussi. I have totally forgotten... Ouais. Là, j'aurais pu le mettre. Oh, ça peut finir dans la cave, ça. Ça va finir dans la cave. Hop. Magnifique. Le vaisselier de vampire qu'elle a dit. Redis. Vaisselier de vampire avec la tête de mort. Attends. Pas ça. Vaisselier de vampire. Vampire avec la tête de mort. Je ne sais pas où c'est. Ce que je vais faire, c'est tout. Vampire. Ouh, vieille maison. Putain, je peux mettre ça. Il y a des trucs d'époque qui sont restés un peu, genre. Ou ça. Ça, c'est pire. Ouais, c'est un peu trop joli, quand même. C'est ça, le vaisselier avec la tête... Oh ! Ah ouais, mais il est fancy comme meuble, aussi. Il est super fancy. Hey. J'ai mis des radiateurs. Nope. Le vieux machin tout rouillé. Super. Dans le nord? Ah ouais. D'accord. Tu vas finir à la cave, c'est ce que je dis quand on vit, c'est relou. Ah non. Oh merci Marine. Ta maison me fait rêver. Ouais mais... Non, je valide l'idée de mettre des toiles d'araignée, mais jusque-là, on a quand même essayé d'avoir une continuité des meubles délabrés. Des meubles... ceux-là, ils sont dégueulasses, c'est les délabrés de vie citadine. Ces bois-là, on voit qu'ils ont du vécu, donc là, ça colle pas, quoi. Je suis désolée, mais pour le coup, c'est une bonne idée de le rendre vieux avec la poussière et les toiles d'araignée, mais le meuble en lui-même est pas vieillot. Enfin, il est vieillot dans le style, mais pas dans le visuel du bois.
Ce sera quand le live pour les 100 bébés? J'ai des champignons et je voulais bien proposer un sim. Oula, alors ça c'est pas prévu avant la semaine prochaine au moins. Parce que là, faut qu'on finisse d'abord cette maison. Vendredi, on fait exceptionnellement un live Animal Crossing l'après-midi parce que j'ai ce gain qui part, les gens. J'ai ce gain qui part. Donc dans deux jours, c'est la chasse. Et samedi, bah, c'est Halloween. Voilà, voilà. Donc, on fera live, mais enfin, vous verrez. Du coup, ben, les 100 bébés, pour l'instant, ça sera la semaine prochaine, minimum, mais je sais pas exactement quand. Ah, d'accord, ok. C'est l'habitude, ça, je suis désolée. Je suis désolée. On a souvent l'habitude de me dire, c'est quand que tu fais ça, parce qu'on s'impatiente, et du coup, voilà. Les mauvais réflexes. Oui. Ce gain, j'ai eu la bonne surprise de tomber direct sur lui ce matin en ouvrant le jeu. Oh là là, je vous jure, je suis contente. Mais alors. Coucou Nika. Ouais, ok. Oh putain, il y a ça qui est bien aussi. Est-ce qu'il a un truc. Ah, c'est pas délabré, c'est dommage. Enfin, du coup, qu'est-ce que je voulais mettre à la base de ce côté? Ah oui, je cherchais des meubles tout pourris. Vas-y. Est-ce qu'on en a d'autres du style débarras comme ça, en fait? Je sais plus. Sinon, il y a toujours ces trucs-là. Hein. Qu'est-ce que... Ah oui, c'est vrai, c'est le bar. Oh, mais c'est trop bien, ça. Mais c'est trop trop bien. Est-ce qu'ils vont rentrer? Ça je sais pas par contre. C'est trop bien. Ça on l'a mis en bas. Oh, y a tout ça aussi. J'ai entendu ta petite voix tout à l'heure quand j'étais à la boutique. Ah, oh, le bonbon d'Animal Crossing. Oh là là, pétard. C'est compliqué des fois de suivre les conversations. Hein. Est-ce complicada, complicado, compli... C'est compliqué, quoi. Bisous, cutie. Ah ouais, non, Vanessa, t'as raison de pas l'avoir proposé. C'est la première dont je me suis débarrassée aussi. Ah, putain, il y a ça qui est délabré. Oh, comme c'est bien, ça. Nils Lama, merci pour ton follow. Bienvenue. Vous regardez Le Meilleur Pâtissier? Oui. Je sais pas si je regarde en direct, par contre. Généralement, non. Je regarde le replay le lendemain. Mais oui. Mais c'est vachement bien, ça. Wapsi, merci pour ton follow. Une chance qu'on soit pas 780. Comment ça? Je cherche. Ouh. Oui, Marine. Je te suis sur YouTube, mais je savais pas que tu avais Twitch. Ah, il y en a plein qui découvrent après coup, c'est drôle. Oui, ça fait 2 ans et demi que j'ai commencé à streamer sur Twitch. Bah, bienvenue de ce côté, du coup. Hmm?
Attendez, je vois bien l'ancienne statue qu'il y avait ici, et genre... Attendez. Mince. Venez là. Hop. Ah merde, mais j'en ai sorti, attends. Non, il n'y en a plus. Attendez, on va voir si j'y arrive. Je sais plus où c'était par contre. C'est qui a fait Tulut? C'est Sweet. On va le mettre quelque part, celui-là, attendez. Je cherchais pas ça, à la base. Oh, c'est un autre carton de pizza, ça. Tu flottes? Oh, putain. Tu flottes. Mais là, tu rentres dedans, et là, tu flottes. Allez. Putain, c'est où ? Oh, des trognons de pommes. Oh lolo. Il y a des bâtiments enneigés. Juré. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je vais vous couper, hein. Vilaine. Non mais je les ai passés trop vite, c'est pas possible. Pring ! Mathis ! Merci pour ton follow ! Bienvenue parmi nous ! Miaou ! Miaou, 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 miaou. Miaou, miaou, miaou. Ouh, miaou, miaou. Oui, bip à toi aussi. Oh, biscuit au caviar, on dirait un burger qui a coulé. Qu'est-ce que c'est tout ça? Ouh. Ah ouais, ça, ça va aller là-dessous. Ça, ça va là. Voilà dessous. Hop, magnifique. Je pense que je l'ai passé trop vite. Puisque là, vu où on est rendu. Oh, du poisson. Des vieilles boîtes aux lettres. Oui. C'est pourquoi. Ah, je pense que ça coince et qu'il y a une ambulance ou la police qui veut passer. Quelque chose comme ça. Ils sont pas contents. Hein. Oh, des boules de caca. Qu'est-ce? Ouah, mais vous pouvez trop faire des châteaux avec ça. Le vieux café. Bah voilà. Alors c'est pas ce que je voulais mettre, mais ça marche. On va le mettre là, le café.
Des vieux pneus. Le seul mot où tu rajoutes une lettre plutôt qu'en bouffer une. Les pneus. Des cônes. On se fait gronder. Oui, c'est des faux bâtiments, ouais. On sait tout ce qui se passe dans ta rue. Ça va pas périmer. Mais si, on s'en fout. On s'en fout, c'est délabré. Coucou, Caro. Oui, j'ai mis un bébé par terre. Les boîtes aux lettres, c'est île paradisiaque, je crois. Ah, bah bordel. Donc oui, pour la blague. Je vois bien la vieille statue qui était là parce que c'est une maison fancy à la base, mais très vieille. Et que genre, ils avaient ce genre de statue et que les squatteurs, eux, ils se marrent en mettant des boîtes de bouffe dessus. Ah, Julie! Merci pour ton resub. Sep. Hop. Voilà. Donc, c'était... En fait, j'ai passé tout ce temps-là juste pour la vanne. Très franchement... Juste pour la vanne. Alors, un petit bébé. Franchement, le bébé, je le verrais bien là. Bon, par contre, t'as les pieds coupés, mais est-ce que tu flotterais pas, en fait? Et si, tu flottes aussi. Donc, ça va pas. Ça va pas du tout. Ou alors, ce que je peux faire, c'est que je peux cacher avec un coussin. Je peux mettre un autre siège pour que quelque chose soit atteignable. Mais celui-là, je peux en faire... Je peux en faire ce que je veux, en fait. Ah, ben... Ça a assombri le bébé. Super. Pas grave. Regardez. Oh lo 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 lo. Je peux en mettre un deuxième comme ça. Voilà, parfait. Ça flottate. Ça les vaut, la vanne est bonne. Tu en penses quoi de la tournure que prend Koh-Lanta? Moi, tu sais, ça fait quelques années que je continue de regarder, mais que je trouve tout ridicule, donc... C'est Chucky. Avec ses yeux démoniaques. Il fait peur, hein, oui, ça c'est sûr. Wouah, les caisses, elles ont coulé et tout. Ah, c'est trop bien. Ah. Oh, pardon. Qu'est-ce que ça fout là? On sait pas. Ah, c'est trop bien. Oh là là. Alors, des fissures. C'est le bébé qui a coulé, exactement. C'est n'importe quoi. J'aime trop. C'est...
Vous remarquerez qu'à la place des plantes, ce sont les sacs poubelles qui prennent le dessus de la déco. Oh non! Qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Il manque là à combler en fait. Bon là. Ah, je peux prendre la grosse là que j'ai pas mis. Super. Le couteau, c'est l'arme cachée, on sait jamais exactement. Exactement. Ambiance poubelle. Oui. Salut Kida. Enregistrons, mes amis. Oh, c'est 17h. Oh, 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 diable. On n'a rien de plus de mort, là. Ah, on a ça, sinon. Attendez. Ah, mais elle est trop fancy. Ah, celle-là. C'est ça que je cherchais. Comme c'est beau, ça. C'est beau dans le pas beau. Regardez, c'est tout moisi. Oui, il y a une commode cassée dans le debug, ouais. Mais je pense que je l'utiliserai plutôt dans les chambres. Mais vu que je veux que ce soit fonctionnel, je rajouterai quand même un miroir pour qu'on puisse accéder aux vêtements. Voilà des plantes. Poubelle Land. Bientôt ouvert dans la ville la plus proche. Suivez l'odeur. Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Et moitié prix pour les 50 et plus. Panier à ordures à entrée. À l'entrée et pince-nez fourni. Énorme. Quitte à la mettre directement dans la salle de bain, bien qu'il y ait une douche dans Vampire qui est pas mal sale déjà. Il y a une douche dans Vampire qui est sale? Bah non, parce que la salle de bain, on l'a déjà faite en bas. On a utilisé celle de Vampire d'ailleurs, mais qui est pas particulièrement sale. En haut, c'est juste toilette, en fait. Je sais qu'il y a plein de meubles cassés dans le debug d'écologie. Je sais, vous en faites pas. Mais justement, ce sont pas des meubles utilisables. Et moi, je veux les rendre la maison délabrée, dégueulasse, mais quand même utilisable pour ceux qui veulent la télécharger dans la galerie. Parce que je veux pas leur imposer de devoir changer des trucs pour pouvoir l'utiliser. Donc pour ceux qui veulent ce style de maison, je voulais quand même la rendre utilisable. Donc je peux pas utiliser ces meubles de façon principale, en fait. Donc ce sera purement de la déco. Coucou Niena. Essayez de placer cette baignoire dans celle de la salle de bain. Ouais, mais après je doute de son utilisation du coup. Faut que ce soit utilisable, voilà. Temazo pour Koh-Lanta. Non, c'est mon petit plaisir débile, Nika. Moi, je regarde pas tout ce qui est émission de télé-réalité, les anges, les trucs, les conneries comme ça. Donc Koh-Lanta, c'est mon truc débile. Voilà. J'aime beaucoup, je pense à toi en regardant et me demande ce que tu dis sur l'épisode.
Alors, du coup, ça c'est fait, ça c'est fait. Il y a peut-être moyen qu'on arrive à finir les tâches quand même aujourd'hui. Ce qui nous laissera quand même demain pour l'extérieur. Pour un extérieur complet, un live, ça devrait aller, non? On verra. On va voir. Alors, chambre parentale. Hop. Mince. Alors déjà, mon problème c'est que il y a qu'un seul coloris avec la commode délabrée, donc ça va être la même dans les deux chambres, c'est un peu dommage. Non, je vais pas la mettre dans les deux chambres parce que franchement, les deux commodes qui sont exactement pareilles et qui ont exactement le même pied cassé, c'est un peu con. Mais je vais la mettre une fois quand même. Les anges, tu regardes deux secondes, tu as 10 points de QI qui sautent. C'est trop ça. Ça vaut largement mieux de regarder Koh-Lanta que les anges. Honnêtement, par rapport au tout début de l'émission, c'est devenu du buzz, Koh-Lanta. C'est plus si intéressant que ça. Mais bon, ça reste mon petit péché. Un live stream, n'est-ce pas une nouvelle forme de télé-réalité pour Internet? Cassie se pose une question, elle y répond directement toute seule. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, vois-tu. Et ouais. C'est ça qui m'énerve en fait, c'est qu'il n'y a qu'un seul coloris vu que c'est du debug. Et ça colle pas du tout au reste. Mais bon. Bon, bah hop. Alors... Par contre, on va pas vraiment avoir de lit délabré. Hein. On a les dégueulasses de couches, de oui, de camping, mais sinon. J'arrivais plus à dormir tant que j'aurais pas la réponse. Par rapport à la télé-réalité d'Internet. C'est dommage qu'on n'ait pas vraiment des lits délabrés, en fait. On a celui-là qui est censé être dégueulasse, puisque c'est le futon d'occasion. Mais sinon... J'aurais bien aimé avoir le lit d'origine qui ait pris un coup dans la vie, quoi. Un coup de vie dans la tronche, plutôt. Un coup dans la vie. Mais on n'a pas trop ce style. Donc ça voudrait dire que les squatteurs... Il se serait fait chier à enlever le meuble de base pour rajouter des lits de camping. C'est vrai, dans le style, c'est ce qui colle le mieux, mais dans le principe, c'est pas forcément logique. Il nous faudrait un simple matelas, ouais. Ouais, les bouteilles, j'y ai pensé aussi. Je vais voir après à en rajouter un peu par-ci, par-là. Il y a des draps déchirés? Sans déconner. Ah, attends. J'ai jamais fait gaffe. Des draps déchirés, c'est quoi ça? Non, ça c'est un motif. Fabriqué. Ah, putain, oui! Pardon. Ah bah là, oui. Ok. Alors par contre... avec la tâche et tout. Oh, trop bien! Très très bonne suggestion là pour le coup. Je les avais jamais vus de près.
Sweet. Ah non, mais super. Ouais, ouais. Bah attendez, je vais sortir l'autre tout de suite pour la chambre d'ado. Allez, on va prendre celui-là. Ou celui-là. Non, celui-là. Allez. On sait pas, Alex, ce qui s'est passé dans cette baraque. Est-ce qu'on en a des simples qui ont des tâches comme ça? Non, je vois pas de simples sans tête. Ils sont doubles, hein. Juste. Simples sans tête. Les pauvres. C'est tragique. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on va mettre... On a des miroirs dégueux, hein, il me semble. J'en ai mis un vieillot en bas, mais je vais peut-être pas utiliser le même à chaque fois. Il me semblait qu'on en avait des dégueux. Avec des taches, non? Ou alors c'est des coloris spéciaux de certains miroirs. Putain, c'est lesquels déjà? Tu es jusqu'au 31 pour nous faire une fanfic sur la maison des Sims. N'importe quoi. Vampire, il y a de la poussière? Attends. Ah, avec de la poussière! Ah non, mais pareil, c'est le même genre de meuble. Il est trop fancy, celui-là. Alors, celui-là, il est... Ah, celui-là, il a un bois délabré. À la limite. J'en voulais un mural, mais tant qu'à faire. Si j'en ai pas d'autres. J'ai mis quoi? En bas, j'ai mis celui-là, hein. Oui, il est complètement délabré, celui-là. C'est très bien. Mais il me semblait qu'il y en avait avec des taches. Lui, il a un bois dégueulasse, mais c'est pour la salle de bain. Bon, bah, j'ai dû rêver, hein, écoutez. Là, il n'y a que des stickers. Ouais. Ouh, le vieux bois. Bon, pas tant que ça. Non, bah j'ai rêvé. Et ben du coup, on va mettre celui-ci. Le mural de vampire? Attends, vampire, ils en ont un mural? Ah, ça. Ah bah lui, il est pas clean, hein. Mais il est quand même vachement fancy. Bon. Vieille truc pour se maquiller avec accessoires vintage. Ah oui, les... Ouais. Mais ça, je suis pas sûre. Ouais, le bois, il est légèrement délabré à la limite. Est-ce qu'ils ont la place de passer? Je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre. À tester. Ah, au pire, on peut le reculer. Ah, il y a peut-être moyen. Ah ouais, bon, ça va, ça passe. Bon, mais pas de chaise par contre, hein. Tant pis. Ça servira que de miroir. Un bisou à toi, Mielana. Vous préférez quoi? Le miroir comme avant ou ce truc?
La coiffeuse. Parfait. Ça, ça fait bien. Bah, nickel. Nickel, nickel. Là, ils passeront pas. J'ai vendu tous les petits trucs. Mince. Enfin, j'ai vendu. Je me suis servi plutôt. Claude Debic. C'est Cassie, assise dans son fauteuil. C'est qui? Inès. Quand vous sortez, choisissez. Ça, c'est bon sable. Pour moi. La coiffeuse, idem. Ok. Sweet, sweet. Mais elle passe en boucle celle-là ou c'est comment? Ouh. Eh. Mais attendez, il me restait encore des trucs dehors, non? Ah, il y a ça, là. Est-ce que tu flottes? Non. Perfect. Mince, il n'y a qu'un coloris. Trop pas cool. Bon, alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Bravo! Je sais pas. Bon, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à mettre dans ces chambres. Elles sont toutes petites déjà de base. Ok, alors du coup on va passer aux fissures. J'ai sorti des cônes oranges. Tant qu'ils sont pas rouges, hein. Hein? J'ai envie de dire. Voilà, ça c'est fait. C'est honteux. Oui, c'est pour ça que je répondais ça, Inès. Joie sauvegarde. Elle est contente. Ouh, j'ai oublié ça. Ah bah oui, par terre, c'est très bien. Et puis là, on va mettre ça. Oh!
Ouais. Quand vous sortez, choisissez votre Sam. En sauvegardant, c'est ça. Alors. Bah, il n'y a pas grand chose à mettre dans cette chambre. Hein. On va lui mettre que des petits rideaux, non? Non, c'est bizarre, ça fait kitsch sans les grands. Comme en bas. Comme en bas. Et ben, toi, on va te mettre le miroir debout, du coup. Sauvegarder, c'est la vie. Et la vie, c'est pas la mort. Oh là là, vous êtes incroyable. On peut rien lui mettre au mur, là. On a vraiment rien d'autre de pas beau. Bah toi, à la limite, t'auras un graffiti. Allez. Voilà, ça passe bien, pour le coup. Bravo! On peut lui laisser un vieux portrait tout moche. Merci Zizi. Au revoir, messieurs, dames. Et ses dessins bizarres. Voilà. On n'a pas osé y toucher, je sais pas. On a fait le tour 15 fois ici déjà. Oh. Qu'est-ce qu'on pourrait remettre encore ici? Non, j'avais pas vu ça. On a regardé ça plus tôt, ouais, Nika. Il y a trois quarts d'heure? Non, il y a une heure, en fait. C'est sorti à 16h. Il y a une heure. Il y a trois quarts d'heure. Oui, oui. Quelle belle construction, bravo. Merci. C'est des dessins maudits. Non, il n'y avait pas de traduction, il y avait des sous-titres, Inès. On peut mettre cette statuette bizarre, là. Ah bah, parfait. Il y a une hache. Disque d'ordinateur. Oh. Wouh. Oh là là. J'aurais voulu voir ta tête en live. Ah, bah je peux rien y faire, moi, Nika, si t'étais pas là. Mais du coup, je ferai la même chose que le trailer précédent. Je ferai un petit montage rapide et je le mettrai sur YouTube, si tu veux. Enfin, si tu veux. Si tu veux voir, je le ferai. La poupée enfant médecin sur le lit, ça fait creepy. Ah ouais.
Voilà. Oh oui. Oulala. Oula. Elle est coupée en plus. Ah mince, non, elle est entière là. Attends. Ouais, mais debout, c'est bizarre. Attends, elle est où l'autre? Là. Ah ouais, c'est vrai qu'elle est quand même vachement creepy. Hein. Mais attends, tu flottes? Tu flottes un peu, oui. Mais là, t'es coupé! Oh, déception! Vous avez vu? Le fait de le rétrécir, il en perd ses yeux. Je suis choquée. Non mais... C'est terrible, c'est pas... J'étais au taf, mais t'as pas à t'excuser, Nika, mais je veux dire, on aurait pas pu faire autrement, malheureusement. Non, on n'a pas fait la cave encore. Ça colle parfaitement. Non, mais c'est terrible! Excusez-moi, mais... Bon, je pense qu'elle vole, par contre. Elle va devoir rentrer dans le lit. Ouais. Bon, de pas grand chose. Ah. Oh mon dieu! Assis dans son fauteuil. Bon bah écoutez, ouais. Allez, je pense qu'il lui faut rien d'autre, hein. C'est Cassie, assise dans son fauteuil. Une poupée sans tête. Une poupée sans tête. Mais tu sais si ça existe ou c'est juste pour voir? En vrai, ça fait trop flipper les rideaux comme ça, je sais pas pourquoi ça m'angoisse. Ben moi aussi, je trouve. Il y a des trucs Salvadorada en deux parties. Salvadorada... Ben là, elles sont entières. Et c'est le debug, ça. Donc je vais aller voir dans le debug plus profond, si tu veux. Oh, il y a des poissons et tout. Attends, mais grave, hein. Je vais mettre du poisson par terre. Hein. Oh, dégueu, non. Oh. Oh, mais c'est génial. Bravo. Trop bien. Oh non! C'est
C'est dégueu. Ah, c'est génial, ça colle trop bien. Les trucs en deux parties, c'est les reliques, en fait, suite. Oh, il y a des tas d'os, c'est vrai. Trop bien. Du coup, ouais, les trucs en deux parties, c'est les reliques, sweet. La machette dans le sous-sol. Yes. On va même en mettre une. On va en mettre une cachée au-dessus. Ah. Là. Est-ce que tu flottes? Elle ne flotte pas, mais c'est trop bien. Hop, elle m'achète ici, là. Ouais, donc y a pas d'autre truc. Hein. C'est trop bien. Sur le lit de l'enfant à côté de la peluche. La machette ? Le poisson. Tu veux mettre une machette? Non, c'est terrible ça. Il y a un burin. Non. Non, c'est terrible, arrête. Bon Dieu. Alors, ceci étant fait. Hop, là on va mettre une comme ça. Voilà. Voilà. Peut-être une autre ici. Catacombe qui déborde dans le sous-sol, c'est ça. Bah au final, oui, il reste que les chiottes, là. Enregistrons. Alors, on va prendre ça. Magnifique. Là, on va mettre le carrelage dégueu. Oh, ouais, on peut mettre ça. Non, pas ça. Porte délabrée. Mais... Laissez-moi prendre le sol, s'il vous plaît. Voilà. Alors, est-ce qu'on remet les mêmes chiottes qu'en bas, c'est-à-dire celle-ci? Lucas, merci pour ton follow, bienvenue. Ouais, je pense, on va faire ça. Et un évier dégueu. Alors, on a soit celui-ci, soit... Ah, ils sont dégueux, mais pas trop, hein, en fait. Qu'est-ce que j'ai mis en bas? Ah, j'ai mis celui-ci en bas. Ah. Ah, quoi? Il pourrait faire les poussières, les squatteurs, quand même. Je la verrais bien dans un rectangle de terre dehors avec une pierre tombale. Alors pas forcément cette statue, mais c'est une idée. Oh mais oui, on peut s'en servir comme cimetière.
Oui, tout à fait. On peut les rendre sales, des griffures. On peut leur donner des griffures. On va remettre ça, hein, je pense. Ah, je sais pas. Allez, ça. Et l'autre miroir dégueu, aka celui-ci. Quoique, non, il a pas assez de fissures, celui-là. Non. Auré est contente. Auré est very très contente. Voilà. Voilà. Et ben on va reprendre le même. Voilà. Il est tout fissuré de partout dégueu. Voilà. Le pipolino en fond toujours. C'est Elios. Bah écoutez, reste plus que l'étoile et tout ça. Oh putain, derrière là. Au lieu d'y mettre tout en haut. Attendez, c'est... Est-ce que ça va rendre le truc inutilisable? Ça, je sais pas. Du coup, comme d'habitude, ça sera à tester en gameplay. Voilà. Hanté et dégoûtant. Alors. Eh bien, écoutez. Bilulu. Oh, j'ai pas mis de radiateur dans les chambres. Mais elle va pas pouvoir passer, là. Bring Maxime, merci pour ton follow. Et bienvenue. Non, ça colle pas. Ça colle pas. Alors. Une grange. Whoop. Ah oui, moi je le veux dans l'autre sens, s'il te plaît. Voilà. Il nous faut combien pour que la porte soit fonctionnelle, enfin soit plaçable? J'ai déjà perdu où c'était. Non, ok. Ça j'ai déjà fait. Ça j'ai fait. C'est pas ici, hein. Je me rappelle très bien avoir cherché ici et que c'était pas là la dernière fois. Est-ce que ce serait pas là? Non. Sous les fenêtres. Putain, merci, Sweet. Tout à fait. Oh, ah ouais, c'est balèze. Alors, si j'y réduis... Ben, c'est mieux, déjà. Par contre, on va pas pouvoir y rentrer. Parce que c'est que de la déco, ça, non? Voilà. Il ne peut pas être utilisé comme une porte normale. On va faire un petit accès sur le côté, voyez-vous. Ça sera juste la façade.
Mais c'est pas Sam en plus, sortez, pardon. C'est pas Sam, c'est pas Sweet. C'est vos pseudos, vous êtes toutes les deux roses, c'est votre faute. Voilà. C'est votre faute. C'est Cassie, assise dans son fauteuil. Alors là, je vois très bien le genre de grange que je veux faire. Par contre, je sais plus comment on fait. Mon cerveau, il calcule pas droit. Alors attendez. Si je pense que je vois. Alors. C'est honteux. Ah, crotte, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Je construis jamais en diagonale. Faudrait que je fasse ça un jour, hein. C'est intéressant aussi. Mais elle est pas assez grande, en fait. Je fais n'importe quoi. Ah, je peux pas. Bon, alors, attendez. Voilà. Ah, crotte. Ah non, faut pas faire ça. Non. Je voulais absolument utiliser cette porte précisément. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de la grange. Et là, je peux pas, parce que soit c'est trop gros, soit ça bouffe les murs. Alors, faut que je mette un truc pour cacher. Ça donne quoi de l'intérieur? Ah oui. Ben non, alors. Oh, la tristitude quand tu nous tiens. C'est terrible, c'est affreux. Quoi ? Il y a un revêtement particulier, il me semble. De quoi parles-tu ? En diagonale, c'est chiant pour les escaliers. Ouais, justement, mais... J'ai envie d'essayer de contourner les codes. Un nouveau challenge pour Cassie. Voilà, exactement. Tu construis déjà en diagonale. C'est pas les toits qui posent souci, c'est les murs. C'est là. C'est à cause du fait qu'on a rapetissé la porte, en fait. On dirait la maison de Chossland. Ça me dit rien, Nika. Sur 4 carreaux, ça marche pas. Sur 4 carreaux. Comment ça, sur 4 carreaux? Si tu réduis d'un carreau, ça règle peut-être le problème de porte. Attendez. Ben oui, mais du coup, je suis plus centrée, là. Eh, qu'est-ce que vous me faites faire? Je suis plus centrée par rapport au terrain. Là, je suis centrée. C'est comme les miroirs, exactement. Non, mais même, il y a un problème. Attendez. Non, ça fait problème quand même parce que là, ça fait pas une pièce fermée correcte. Enfin, c'est chelou. Du coup, il y aurait une luminosité bizarre. Alors qu'une porte... Voilà, vous voyez la luminosité de la pièce ? Ça va pas. Je peux pas bouger pour centrer, Sweet. Parce que c'est soit un carreau sur le côté, soit un carreau sur l'autre. Là, ça marchera pas. Si je réduis des deux côtés... Attends, pour agrandir un peu, pour mettre la porte... Ah bah là, ça va être super grand. Puis là, je peux pas. Faudrait que j'y redéplace encore. C'est pour ça que j'ai déplacé déjà de base. Ça va faire un truc beaucoup trop grand si je veux faire ça.
Puis là, en plus, je peux pas bouger. Coucou, Kika. Mieux vaut tard que jamais. Ah, le dégoût. Bon, attendez, il y en a d'autres hein, qu'on peut utiliser. Tant pis, hein, c'était celle qui était très belle, mais... Mais tant pis. Alors, attendez, il y en a d'autres. Il y en a plusieurs autres, en plus. Il y a Vicitadine et il n'y en a pas une autre. Il y a Vicitadine, c'est celle-là, mais ça, c'est des portes de garage. Mais on avait vu des trucs qui faisaient bien porte de grange l'autre fois, non? Ou j'ai rêvé? Vieux motard que jamais. Bravo, Alexandre! Avec les murs plus haut, je suis pas sûre que ça règle le souci à droite et à gauche, mais je peux essayer. Tourne! Ah bah, elle veut même plus tourner. Ah! Non. Ah, ça me fait un trou encore plus gros. Ouais. C'est dommage. Dommage, dommage. Ah bah ils étaient là-dedans aussi, dans les décos murales de l'intérieur. Putain mais oui Alex, on a rien cassé. Non c'est bon. Hein. On a rien cassé. Alors j'ai vu passer une autre astuce, mais je suis pas sûre que ça me plaise. Je vais essayer pour voir. Où est-ce que c'est déjà? En prenant ça et en agrandissant. Ça fait des vraies portes de grange là pour le coup, mais... Ah, il faudrait que je les fasse ressortir. Ah oui, il faut enlever le mur. Oh, c'est chiant, ça. Mais celle-là, elle rentre comment? Non, ça, c'est pas beau. Il y a ça, sinon. Ouais, je sais pas. Si tu fabriques la porte toi-même... Oui, 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 non, mais je peux la fabriquer, bien sûr. C'était pour le kiff d'utiliser la super jolie porte, quoi. C'est dommage. Barbe, merci d'avoir été là et bisous à toi. J'ai plané là. Oula. Et c'est qui me disait l'autre jour qu'ils utilisaient les portes de chambre forte? Mais ça va pas du tout. C'est super moderne, enfin c'est métallique, très tout métallique. Qu'est-ce que... C'est fort étrange. Ah, mais tu utilisais vraiment celle-là? Ah, un garage, putain, pas une grange, pardon. Mais même un garage, je trouve ça bizarre, ça rend... Enfin, ça fait pas garage, quoi.
Eh ben, on s'est fait un peu U. C'est dommage, parce que le but, c'était de l'utiliser. Oh, c'est vraiment très très bête. Attendez. Attendez. Non, colle-toi moins. Attends. Il y a un espace là? Je sais pas. Colle-toi moins. Si on le colle pas, le truc, il rentrera pas à faire des trous dans le mur. Sauf que... Faut arriver à le mettre comme il faut. Hein. Mais sérieusement? En étant si éloigné, tu me fais des trous. Mais sans te déconner. C'est une blague. J'étais trop fière. Morgane, merci pour ton follow. Tu peux pas l'utiliser si tu agrandis les portes. La porte de garage? Celle-là? Bisous Tony et des bisous Angie. Eh ben écoute, ouais. C'est une, c'est un mot que j'utiliserai pas. Faut voir jusqu'où est-ce qu'il faut aller pour qu'il y ait pas de trou. Regardez ça. Je suis deg. Deg. Mais déjà, elle est pas dans le bon sens. Voilà. En étant dans le bon sens, ça va mieux ou pas? Non. Ah non, mais c'est super c'est éloigné. Assise dans son fauteuil. Oh là là, putain. C'est con, hein? Franchement. C'est super con. Ça fausse l'espace. Non mais je sais bien. Je connais bien le système, mais ça me saoule quand même. Ça me saoule, franchement. Bon, bah écoutez. Bye bye. Hein. Putain, mais là aussi, il faut enlever les murs, sans rire. Ça me saoule, c'est pour ça que j'aime pas avoir recours à des décos où il faut enlever les murs à chaque fois. Non, elles sont toujours pas collées. Et en plus, elles sont pas collées entre elles. Grande, j'aime pas, ça dépasse là-haut. Avec les murs et la déco et tout, peut-être que ça passera mieux. Bon, c'est pas très centré par contre. Hein. Dans les portes plus grandes,
J'ai pas l'impression. On peut le mettre où ce truc si c'est pas en construction? Mais c'est un truc de construction, c'est les petites portes de chien et chat. Le plan interactif du nouveau monde. Ça me dit rien du tout. Un petit salut du Québec. Salut! Porte moyenne d'écologie. Qu'est-ce que... Putain, j'ai lancé une vidéo? Mais non. Mais j'ai rien fait. C'est quel terrain, quelle ville? C'est chien et chat. Enfin, Brindleton Bay, la ville, et le terrain le plus éloigné, enfin, un des terrains les plus éloignés du quartier vétérinaire. La porte moyenne d'écologie tout en bois. Je suis pas sûre qu'elle fasse assez délabré. Mais je peux même pas la mettre, en fait. Puisque j'ai aucun niveau moyen. Je peux pas mettre les autres portes, en fait. Faudrait que je change la hauteur de ma maison. J'ai peur de perdre des trucs. Bon bah c'était une fausse bonne idée en fait cette grange. Hein. J'aimerais bien quand même la faire mais ça va pas. Hein. Ça va pas du tout. Sur Electronic Arts ça vient de sortir. Ah bah c'est pour ça que ça me dit rien alors. Ces nouveaux types de terrains de location seront bientôt disponibles dans n'importe quel monde résidentiel. Ah mais on sait qu'avec le prochain pack Escapade enneigée, on allait avoir des terrains et résidentiels et de location. Mais le plan interactif du nouveau monde... Ah le plan! Mais non, tu parles de la capture d'écran de la map, tout simplement. En fait. Ah, il y a un nouveau truc. Bah écoutez, non, je sais pas. On a vu le lien, le tweet de la vidéo. Dans le tweet, ils ont mis le lien de l'article qu'ils ont déjà fait la semaine dernière, mais j'ai pas vu d'autres trucs. On a vu ce qu'un déplacement d'une ligne a fait. Alors, changer la hauteur, j'avoue. Ben, du coup, je vais aller voir. Est-ce que Twitter nous dit autre chose? Ah! Alors. Ok, je l'ai. Oh, bordel. Qu'est-ce qu'ils font? Tu veux pas t'en aller, toi, là? Ok. Alors. Ok. Ah, d'accord. C'est tout? Il y a même pas la... Attendez, y a... À quoi ça sert de nous faire ça s'il n'y a même pas l'information de la grandeur du terrain? C'est une blague? Les terrains de location seront dispo pour tout le monde. Mais c'est pas ça, c'est pas un scoop. On l'a su la semaine dernière déjà. Enfin, cette info-là en particulier. Alors, la map, je veux bien, mais
On sait qu'il y a du résidentiel et du location pour tout le monde. Enfin, pour de partout. Un nouveau type de terrain avec les étoiles. Je vais regarder. Je pensais que c'était juste pour ce monde-là. Bah, c'est ce qu'ils disent, mais en vrai, enfin, on se doute que c'est pour tout. Ce serait vraiment bizarre qu'ils nous permettent pas de faire ça ailleurs, quoi. Donc, enfin, moi, c'est ce que je me suis dit. Mais je comprends pas pourquoi ils nous font ça, mais qu'ils nous mettent pas l'info du terrain, quoi. C'est ça, par contre, c'est ridicule. Ok, et ça, c'est quoi? Oui, ça, c'est fait par un game changer. Oui, on est au courant, oui. Festival. Ok. Bon, bar à karaoké. Ok. Ah. Ok. Forêt de bambou. Et... Cimetière. Temple. Pourquoi je crie? L'espace naturel pour tout le monde. Ok. Ah. Ça, c'est un resto. Game changer, oui, oui. Donc ça, c'est les locations, en fait, les petites étoiles comme ça. Ça, c'est pour faire la randonnée. Ça, bah oui, c'est le snowboard, le ski, tout ça. Les caves. Ah, c'est les grottes. Les grottes. Onsen, ok. Ça, c'est le quartier. D'accord, d'accord. Ben... Ouais. Bon, alors là, je suis mitigée, très franchement. Sur le principe, je suis mitigée. Il n'y a aucune étoile sur... Il y a une étoile sur aucun terrain. Alors, il y avait deux types d'étoiles. T'avais les étoiles très fines, ça, c'est les locations. Et t'avais les étoiles pleines, ça, c'est les espaces publics, en fait. Oui, les lieux d'activité, voilà, c'est ça. Je participe. Comment ça, sur le principe? La présentation? Ouais. C'est sympa, mais... Pourquoi nous en montrer autant, en fait? On va repartir sur la déception de Visitadine. Surtout que c'est limité, c'est ce que je dis. Pourquoi vous voulez nous montrer autant de trucs, mais vous mettez même pas les infos essentielles, c'est-à-dire la taille des terrains? Ou alors j'ai loupé un truc. Oui, les espaces publics, c'est comme ça, comme les trucs de Saint-Michuno, oui. C'est honteux. Il y a peut-être une fuite ou un risque, donc ils prennent les devants. Mais les devants de quoi? On l'a déjà, la fuite de la carte. On l'a déjà eu. Pour le coup. Autant les devants, quand ils nous ont sorti le nom du pack un jour avant la sortie du trailer, je pense que c'était pour éviter les fuites, en effet, mais là, on l'a déjà, la carte. Donc bon. Ouais, je suis mitigée. Depuis Visitadine, j'ai toujours été trop contente de tout ce qui sortait, parce que justement, ça m'a vaccinée sur la déception. Mais si nous refont le coup de Visitadine... Oui, il y a des télécabines, oui. Ah, ça, on l'a vu direct dès le premier trailer, je crois. Ça me donne moins envie de découvrir s'ils en disent trop. Bah, c'est ça. C'est ça, le truc.
Mais bon, c'est ce que je dis, quitte à sortir une map pareille, enfin, donnez-nous le, la taille des terrains, quoi. C'est ridicule. Bref. Putain, j'arrive pas à voir. Non, c'est pas ouf. Comme ça, c'était mieux. Même plus comme ça, en fait. Toute petite grange, qu'elle est mignonne. Pour les grottes, il n'y a pas de photos. Bah parce qu'à tous les coups, elles seront pas accessibles. Comme dans... comme dans... Île Paradisiaque et Star Wars. C'est quoi la déception de Vicitadine? Qu'est-ce qui t'a déçu? Alors le problème avec Vicitadine en fait, c'est que ils nous ont tout montré. Ils nous ont tout montré, c'est-à-dire que ils ont fait deux ou même trois lives, je crois, sur des facettes du pack différents à nous montrer, puisque tu sais qu'avant chaque pack ou kit, ils nous font un live pour nous montrer ce que le pack contient dans sa globalité, en essayant de pas tout nous montrer non plus. Mais pour Vicitadine, ils ont fait, oui, facilement deux ou trois lives, en plus de la bande-annonce. Et on était genre, mais c'est pas possible, il va y avoir des surprises encore. Et non, ils nous avaient vraiment tout montré. Donc en fait, à la sortie du pack, une bonne partie des joueurs l'ont trouvé très très vide. Voilà. Alors moi, depuis, ça va, hein, j'ai fait ma paix avec Vicitadine, j'adore Saint-Michuno, etc. Hein, je le trouve pas si vide comme à sa sortie, mais il y a eu une énorme déception générale à cause du vide ressenti de par le fait que les gourous nous avaient déjà tout montré. Voilà. Alors, j'adore en savoir plus. Honnêtement, ça fait partie de la magie du machin. D'avoir les bandes annonces, d'avoir les infos des gourous, d'avoir des photos en plus, mais... ils arrivent généralement quand même à garder quelques éléments pour qu'on puisse découvrir le gameplay ou des objets ou des trucs par nous-mêmes. Mais Vicitadine, ils nous avaient absolument tout montré. Je vous dis, ils avaient tellement plus rien à nous montrer qu'à chaque live, on retournait sur les chiottes qui parlent. Donc voilà. Et depuis, j'ai plus de déception. Ça m'a tellement fait la douche froide que depuis, je prends tout avec grand plaisir. Tout va bien. J'ai fait ma paix avec Vicitadine, bah ouais. Attends, il faut laisser la place à l'interprétation des gens sur ce qu'ils voient. Oui, certes. Bon, ben on va trafiquer une porte. Hein. Oui, c'est tard, certes. Il faut que je fasse mon montage, moi, en fait. Faut que je fasse mon montage. Mais je vais au moins faire le revêtement. Alors déjà, on va prendre les piliers. Tu peux arrondir les toits. Pourquoi faire? Non, c'est ça que je voulais faire. Bah, elle était censée aller devant la grange en fait, mais on a des problèmes, Nika. Je te montre ce que ça donne. Parce que là, elle est trop grande, donc si je la rapetisse en fait. Ah bah ça va plus, j'ai ouvert les murs. Ça fait des trous dans les murs en fait, ça marchait pas.
C'était pour donner un effet... Un plus un effet hangar. Bah oui, mais moi je veux juste donner un effet grange. Inès. Qu'est-ce qui va bien? Un revêtement de grange. On repart sur un truc tout pourri là. Une grange délavée peut-être. C'est vrai que les granges c'est souvent rouge comme ça. Dommage qu'il n'y ait pas plus foncé par contre. Ah! 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 Il est plus doux ce rouge là. Ah. Les granges ont souvent des toits un peu arrondis. Alors, pas le type de grange auquel je pense, du coup, parce que tous les exemples que j'ai en tête n'ont pas de toit arrondi. Elle va où, sinon, normalement ? C'est juste un décor de île paradisiaque, n'importe quoi. Un décor de Heure de Gloire. Oh, j'ai jamais accès à ce truc. C'est lequel ? Celui-là. Ah, par contre là, on n'aura pas de haut. Ah, je peux peut-être fabriquer un truc. La grange des Kent. Alors attends, je vais voir. Ah, l'espèce de mini arrondi qu'on peut faire avec... Enfin, qu'on fait depuis Chien et Chat, vous voulez dire? Ouais, elle est très légèrement arrondie, le toit de Kent. Ah, je pensais pas arrondi comme ça. Ah oui, mais non, c'est pas, ça colle pas du tout avec ce que je veux faire, du coup. Je vais essayer, voir si je préfère, quand même. En plus, c'est un carreau, donc c'est exactement ça, mais je sais plus comment on fait. Ah, ça, on est censé le monter. Oui, si c'est ça. Alors, comme ça. Comme ça, vous voulez dire. Ah, mais ça fait juste une petite boîte. C'est un peu ridicule, non? Ça fait une petite boîte. Arrondi, quand tu me disais arrondi, je pensais qu'il fallait arrondir avec les flèches. Pas que c'était le toit bricolé du style de Brindleton Bay. Non, je suis moins fan. Le style de toit de base me plaît bien. J'ai déjà fait des maisons comme ça, mais là, je trouve que ça rend pas... Pas terrible. Ou alors faut tout que je fasse comme ça. Ouf. On dirait qu'il est rasé. Non, pas fan. Non, bah moi j'aime bien comme ça. Alors par contre, on va juste que je trouve de quoi mettre... Enfin, mettre un truc quelque chose au-dessus, là. Mettre un truc quelque chose au-dessus, bien sûr. que ça se fonde mieux. Est-ce que je peux faire ça aussi? Sinon... Mais c'est pas très abîmé, ceux-là, par contre. Parce que sinon, il y a ça aussi. Attendez, où est-ce que c'est?
Il y a ça aussi qui rend super bien dans ce style de truc, mais c'est pas très très abîmé quoi. Ça serait super ça. Mais bon. C'est légèrement abîmé quoi, sinon c'est assez clean. On va essayer. En fait, c'est abîmé, mais le fond est quand même super blanc. C'est ça le problème. The Queen, merci pour ton follow. M'écoute plus. Un mix des deux, le rouge passait bien. En fait, j'ai pensé à ça par rapport aux portes, mais est-ce que ça le fait avec le rouge? Parce que c'est très blanc quand même. Hein. Non, peut-être pas celle-là du coup. Putain, il y a ça aussi. Ah, ça c'est bien ça. Hein. Mais est-ce que ça détonne pas avec le reste? Ça vous plaît comme ça? Alors par contre... Ouais, après on va arrêter, faut que je fasse mon montage. Est-ce que je vais réussir à retrouver facilement le truc auquel je pense? Je ne sais pas. Je l'ai sorti l'autre jour pour montrer à Inès justement d'autres trucs comme ça. Il y en avait un qui était plat. Ça va, j'aime bien aussi. Ok. Ah. Une fois l'intérieur colorisé, ce sera top. Oui, certes. Est-ce que je remets le rouge à l'intérieur? Genre, c'est vraiment les planches de bois qui sont comme ça ou... Enfin non, non, c'est peint. C'est très con ce que je dis. Je vais mettre du bois de toute façon à l'intérieur. C'est logique. Bon, il est où le truc? Est-ce que je retienne de quel pack à chaque fois ça sort? Parce que c'est terrible de tout scroller comme ça. T'inquiète pas, Aaron. Je finis juste d'essayer ce petit truc et puis j'arrête parce que moi aussi, il faut que j'ai... Enfin, j'ai d'autres trucs à faire, forcément. T'inquiète. Ouh, je vais sortir plein de trucs comme ça pour la grange. Voilà. Idem Alexandre. J'ai dû la passer déjà, c'est pas possible. Hmm. Ça c'est la fin. Je l'ai passé. Elle était où? Mince, je suis allée beaucoup trop haut. Alors. On tombe sur de ces trucs. Oh.
On remonte. En tout cas, Hello et toi, ça a avancé. Mais c'est... dingue. Ah. Bon, c'est dommage que ce soit pas plus foncé, par contre. Mais bon, j'ai envie de dire, au moins, ça fait la finition. Bon, ça fait une finition. Parce que sinon, franchement, voir le plâtre en dessous, c'est pas terrible, quoi. Voilà. Ça va aller, sweet, ça va aller. Bon. C'est con que ce soit pas plus foncé. Mais je pense que je trouverais pas mieux. Mais écoutez, on va s'arrêter. Je vais aller faire un rapide montage. Ah, putain! Pardon, non. Non, c'est... Je sais pas lequel rendrait mieux. Oh, je peux pas les superposer. Bah, celui-ci rendrait mieux, non? Pardon. pardon. Regardez, parce que s'il y a un muret qui a un truc au-dessus qui est plutôt marron, ça aurait pu, j'aurais pu l'intégrer. Oui, ça rend mieux. Mais Helios, ça y est, il ronfle. Oh, il ronfle bien. Oh, il y a des plaques d'égout. Animal Crossing. Merde, il est où l'autre? Je l'ai perdu du coup. Là. Mince. Ah oui. Ah bah oui. Carrément même. Wow, putain, ça se place trop bien en plus. Oh, mais c'est quoi ce truc? Je sais pas, mais il est tombé du ciel. Regardez-moi ça. Hey. Allez, on arrête. Ah, c'est mieux, hein. Voilà. Oh là là, ce qu'il faut pas faire. Tada! Bravo! Bon, eh ben écoutez, allez, c'était fort chouette, fort fun, tout à fait. Je réenregistre, on sait jamais. Je vais me l'enregistrer dans la bibliothèque aussi. Du coup, je vais vite faire le montage pour l'autre truc, enfin pour la découverte. Rumble, merci pour ton follow! Pour YouTube, hein, de ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, du coup, des bisous. À demain matin, pour ceux qui seront là demain matin sur Zelda.
Merci à tous vos follow, merci à vos subs, merci à vos cheers. Des bisous, des câlins. Non, ça c'est un sub. Bon, on va vous aurez un sub dans le temps. Écoutez. Voilà. Hop, ouais, sub. Bisous à tout le monde. Et merci encore. Prenez soin de vous.